L'euro et le dollar en hausse pour ce jour de l'Aïd el-Fitr en Algérie. Après une montée en début d'année, l'euro et le dollar ont stagné en Algérie malgré une tendance haussière des devises étrangères. Les va-et-vient des émigrés, les décisions économiques et la spéculation ont temporairement équilibré le marché noir des devises. Pendant l'Aïd el-Fitr, les taux ont légèrement augmenté. Le 11 avril 2024, les taux de change principaux en Algérie sont l'euro à 241 dinars à l'achat et 239 dinars à la vente, le dollar à 221 dinars à la vente et 223 dinars à l'achat. Le dollar canadien est à 160, 162 dinars et la livre sterling à 275, 277 dinars. L'euro reste à la hausse malgré l'afflux de citoyens. Le marché noir répond à une forte demande de devises étrangères avec 8000 milliards de dinars algériens en circulation hors du circuit bancaire. Les taux ont grimpé avec une hausse de 20% en 4 ans pour l'euro et de 23% pour le dollar. Divers facteurs, dont les décisions économiques algériennes et les retards dans l'ouverture des bureaux de change, ont contribué à cette augmentation.